Bonjour, bonsoir. Tout le monde qui attend des vidéos ça. Et dans quel que soit l'heure qui attend là, matin ou après-midi, nous entrons encore la caillou dans le téléphone pour nous porter un sujet qui est très très important pour nous. Un sujet qui a changé la vie complètement. Sujet ça, c'est le jeûne. C'est comment jeûner. C'est est-ce que chrétien doit jeûner? Et s'il doit jeûner, comment il doit jeûner? Et c'est un grand sujet, c'est un sujet qui est très important et qui a montré l'importance pour jeûner et qui a montré comment pour jeûner et bénéfices qui gagne lorsqu'un chrétien cap jeûner. Pas oublier sujet assez jeûner, OK, selon la Bible. Le jeûne du chrétien. C'est comme ça nous intitulé le jeûne du chrétien. C'est très très important matin, c'est très très important dans moment ça pour nous parler de un sujet comme ça, le jeûne du chrétien. OK? Et première partie n'a prend là c'est qui ça jeûne dans yé? Et qui ça jeûne dans yé? Le jeûne li signifie rester sans manger pour la prière. Nous pas parler de jeûne médical. Gen jeûne médical côté monde rester sans manger pour maigrir. C'est pas de ça n'a parlé. Nous pas parler de grève de faim tout. Grève de faim, grève de la faim, c'est côté on série de prisonniers ou bien on série de bagarre monde qui a jeûné pour raison politique. Ou bien pour chercher un bagarre dans le gouvernement ou bien dans l'état. Ça, c'est grève de faim. Mais nous, maintenant, parler de jeûne chrétien. Jeûne selon la Bible. La Bible qui mandait chrétien pour jeûner. Premièrement, jeûne, c'est pas une proposition que bon Dieu bail. Deuxièmement, c'est pas une supposition. C'est pas bon Dieu proposé ou bien son supposition qu'il va ou souvler. Le jeûne est une recommandation. C'est recommandé, bon Dieu, recommandé au pour jeûner. C'est exigé, bon Dieu, exigé, c'est ordonné, qu'il ordonné au pour jeûner. Nous dit jeûne par définition simple, c'est abandonner manger, c'est mettre manger de côté pour me jeûner. Vous entendez? Mettre manger de côté parce que le mot jeûne. Le mot jeûne, le premier mot, c'est jeûne. C'est rete à jeûne. Ça veut dire rete sans manger. Jeûne, c'est pas manger. Et puis, ma la prière, ma chercher, bon Dieu. Jeûne, c'est décider, me décider. Pour me dire, bon Dieu, manger pas de valeur pour moi. Pour me démontrer, bon Dieu, ça m'a cherché à gagner plus de valeur que manger, que boire. Ça, c'est jeûner. Nous pourrons regarder dans la Bible, non seulement les chrétiens, les hommes de Dieu de l'Ancien Testament ont jeûné, nous pourrons regarder le Nouveau Testament, le jeûne dans le Nouveau Testament, et nous pourrons regarder différents aspects dans le jeûne. Pas oublier nos mots définition simple qui c'est rester sans manger. Mot jeûne, même c'est rester sans manger. Automatiquement, ou manger ou pas jeûner. Par exemple, imagine nous me dire, nous pourrons passer un temps de jeûne. M'a commencé à 6h pour me finir à 6h après-midi. M'a commencé à 6h du matin pour me finir à 6h après-midi. Et puis pendant temps me fin commencer jeûne là et puis m'aller me pour un bol manger m'a manger. M'a pas dans jeûne encore. Moi tout levé jeûne, m'a tout cancel jeûne là. Parce que automatiquement manger m'a pas jeûner. Parce que jeûne là veut dire rester sans manger. C'est ça jeûne là veut dire mettre ça importe mettre ça dans tête tout et nous va regarder à travers la Bible et définition ça tout. Mot jeûne veut dire rester sans manger. Au point de vue de foi spirituelle, jeûne veut dire mettre de côté les aliments, la nourriture pour vaquer à la recherche de Dieu. C'est ça jeûne veut dire mettre manger de côté pour aller chercher mon Dieu. OK, pas manger pendant une période de temps, pendant un certain temps pour aller chercher mon Dieu, pour aller à la prière. C'est une définition simple jeûne. La deuxième phase gounia. Jeûne dans son bagage que la Bible ordonne. C'est la Bible qui ordonne jeûne.
Et nous avons des différents textes bibliques qui prouvent que c'est la Bible qui ordonne les jeunes. Et texte biblique, ça est très significatif. Premièrement, dans Luc chapitre 5, verset 35. Luc chapitre 5, verset 35. Avant verset 35, là, disciples, ils paraissent, ils ont série de monsieur paraît, ils dit Jésus, disciples Jean-Baptiste, ensemble avec pharisiens, ils ont jeûné consécutivement. Mais disciples, pour eux, nous ne pouvons pas jeûner même. Qui ça fait ça? Mais ça, Jésus répond. Il dit, ou pas qu'à faire, ils ont jeûné pendant que moi-même, moi ensemble avec eux. Mais automatiquement, moi quitter terre, m'aller, non, juste à yo, y a jeûné. Qu'on y a question à poser. Luc 5, verset 35. Jésus dit, ils jeûneront en ces jours-là. Ça veut dire, non, jour côté moi-même, moi, pape sous la terre, yo même, y a jeûné dans juste à yo. Est-ce que Jésus sous la terre? Non, Jésus pas sous la terre. Jésus quitté la terre, il monté dans le ciel. Ça fait très longtemps, ça fait presque plus de 2000 ans. Il dit, pendant tant le pas sous la terre, disciples a jeûné. C'est une recommandation, c'est une ordonnance. Il dit automatiquement pas sur la terre, il jeûne. Ça veut dire, il pas dit peut-être non, il pas dit il supposé ou bien il pas dit comme dans Gazal proposer non. Il dit il jeûne son ordonnance. Luc chapitre 5 verset 35. M'a bon l'autre verset encore, m'a bon Matthieu 6 verset 16 à 17. Jésus dit dans Matthieu 6, verset 16, quand tu jeûnes, attendez, oui, il dit quand tu jeûnes, il pas dit si tu jeûnes, ou bien il pas dit à supposition que, supposer que tu as jeûné, non, il dit quand tu jeûnes, c'est qu'il assume que tu as jeûné. Maintenant, on comprend avec ça. Il assume même que m'a jeûné parce qu'il dit quand tu jeûnes, ça veut dire il trop assume m'a jeûné parce qu'il connaît pas capable jeûner. C'est que le jeûne est une ordonnance chrétienne, est une ordonnance de la part du Seigneur pour tous ses disciples. Ça veut dire autrisi moi dois jeûner dans juste ça. Deuxièmement, quand tu jeûnes, ça veut dire automatiquement m'a jeûné. C'est que il pas même proposer, pas me dit si peut-être, il pas même dit et si jamais non, il assume que m'a jeûné. Quand tu jeûnes, dans mon comprendre ça, qu'elle tout assumé que m'a jeûné. M'a bon l'autre texte encore. Et Joël 2, verset 12. Joël 2, verset 12, lui dit, revenez à moi avec des jeûnes. C'est que bon Dieu même, ça c'est bon Dieu même qui dit ça. Que bon Dieu qui décide, qui dit, si vous tournez vin jeûne, retourner vin joindre avec des jeunes. C'est que retourner vin joindre mon Dieu avec par des jeunes. Chercher mon Dieu avec des jeunes. Si me pral vaquer à la recherche de Dieu, chercher la connaissance de Dieu, chercher moyen pour me servir mon Dieu, Joël 2 verset 12 il dit revenez avec des jeunes. Si me t'a vivre dans péché ou bien te fait bagarre qui pas bon, m'a retourner vin joindre mon Dieu, Bible a dit revenez avec des jeunes. Ma bon l'autre texte encore. Joël 1 verset 14, il dit convoquer des jeunes. C'est que bon Dieu même mandé pour nous convoquer jeunes même à l'église là, pour nous convoquer chrétiens dans des jeunes, pour nous mander pour venir joindre bon Dieu dans des jeunes. Moi bon 4 versets qui montrait que Bible a ordonné pour me jeûner. Bible a ordonné pour jeûner. Bible a mandé pour jeûner. Parole, bon Dieu, ordonner ou exiger ou encourager ou exhorter ou pour ou même kap gade vidéo ça pour jeûner. Mais bon définition, qu'on a mba ou exactement parole, bon Dieu, qui ça le dit, comment ordonner, comment mande même pour me jeûner. Ok? On a gade des hommes de Dieu de la Bible qui ont jeûné. Premièrement, Moïse. Il jeûnait pendant deux fois. Il fait 40 jours, 40 nuits sans manger, sans boire. Moïse, c'était un homme, ce n'est pas un dieu, ce n'était pas un dieu, c'était un homme. Moïse a jeûné pendant 40 jours, 40 nuits. Moïse a jeûné. OK, nous voyons ça dans Deutéronome 9 verset 9, ils font premier jeûne.
Deutéronome 9, verset 9. Et il te font jeûne pendant le temps dans le désert à tout. 1 roi 19, verset 8. 1 roi 19, verset 8. Moïse a jeûné. Parce que le jeûne même, qui ça veut dire, c'est aller à la recherche de Dieu. Le jeûne, c'est la prière profonde. Le jeûne mettait nos dispositions pour me chercher la présence de Dieu, pour me chercher l'onction, la puissance du Saint-Esprit. Le jeûne permet pour me chercher la dimension, mon Dieu. Lui permet pour me jeûner des révélations, des rémas spirituels. Le jeûne mettait me plus près, mon Dieu. Le jeûne mettait nos dispositions, Saint-Esprit, qu'à utiliser efficacement. Le jeûne m'a une capacité à onction pour me camper devant des démons. Le jeûne permet de me servir l'église là. Pis bien spirituellement. OK. On regarde un deuxième monde qui était gêné. David, le roi David. David était gêné pendant plusieurs fois. Et David était pratique gêné à même. Je trouve en David un homme selon mon cœur, ça c'est bon Dieu qui t'a dit. Pendant que c'était un homme de jeûne. David était un homme de jeûne. On a dit que n'a regardé des versets de versets bibliques par exemple dans Psaume 69 verset 11 le David a parlé que jeûner tout le temps dans Psaume 109 verset 24 il montre David t'a jeûné de temps en temps dans 2 Samuel 12 verset 16 il explique David a jeûné David était toujours à jeûner le serviteur le roi David l'homme de Dieu était un homme de jeûne. David était un homme de jeûne. Il t'a jeûné, il t'a prié, il t'a jeûné. Il expliquait ça dans la ville, il expliquait ça dans le somnio. Nous avons plusieurs versets. La déclaration de 2 ou 3 témoins est vraie. Nous avons 2 ou 3 versets côté David était un homme de jeûne. On nous garde encore Daniel. Daniel était un homme de jeûne. Daniel était pratique jeûne non même. Dans Daniel 1 verset 8, moi Daniel t'a jeûné. Dans Daniel 9 verset 3, Daniel encore retourné dans le jeûne. Daniel 10 verset 2 3, Daniel encore te continue à jeûner. Il fait 7 jours, il fait 14 jours, il fait 21 jours. Daniel fait plusieurs temps à jeûner. Il fait jeûne partiel, il fait jeûne absolu. Daniel te toujours à jeûner. Le prophète Daniel, nous connaissons le prophète Daniel devant le roi Nebuchadnezzar, Daniel était un homme de jeûne. Les grands prophètes, les grands hommes de l'Ancien Testament, les hommes de Dieu de l'Ancien Testament étaient des hommes de jeûne. C'était des hommes qui tapent jeûner, qui des pratiques jeûne, qui étaient toujours à jeûner. C'est très important pour comprendre ça. Non bon verset biblique, c'est pas bagage n'a dit dans bouche, c'est pas une analyse n'a fait qui pas veut dire rien, c'est pas une réflexion n'a fait ou bien une proposition, n'a nous bon exactement sa Bible a dit concernant le jeûne. On nous garder un autre homme encore. Néhémie 1er verset 4 était un homme de jeûne. Esdras 8 verset 21 23, Esdras était un homme de jeûne. Esther, Mardochée était des personnes de jeûne. C'était des servantes et serviteurs de Dieu de jeûne. Mardochée et Esther t'a jeûné et ont fait jeûne en groupe, ils ont jeûné en groupe. Mardochée même t'a gagné à pratique jeûne peut-être parle. Esther chapitre 4 verset 16, ils ont annoncé 3 jours sans manger de jeûne. Le peuple Israël même son peuple de jeûne, le peuple Israël son peuple qui t'a jeûné. Nous ça non Joël chapitre 1er verset 13 14. Yo te gen pratique même de jeûne. Yo gen ça dans loi yo même pour yo jeûner. Mais bon les hommes de l'Ancien Testament, mais bon exemple des hommes, ça veut dire m'pa gen temps assez pour me parler d'autres hommes de Amos, pour me parler d'Ésaïe même, pour me parler de Jérémie, pour me parler d'Ézéchiel, pour me parler de Malachie, pour me parler d'Habacuc, pour me parler de Zacharie même, des hommes qui jeûnaient, des hommes de Dieu qui jeûnaient, qui des pratiques de jeûne. C'est quelques exemples que me baou des hommes de l'Ancien Testament qui t'a jeûné. Est-ce que ça pas suffit pour vous, pour ouais importance pour ou même comme chrétien ou doit jeûner? Nous parler pour avec 2-3 questions tout à l'heure qui dit que femme gon but important, femme gon gros but pour me jeûner, femme gon problème exact pour me jeûner, c'est faux. C'est faux. On va le mot pour que ça le faux
Parce que dans ordonnance que Jésus bail de jeûne, il n'a pas dit ça. Il dit automatiquement, il passe sous la terre. Il dit les jours viendront où l'époux leur sera enlevé. Ils jeûneront en ces jours-là. C'est que l'époux est enlevé. Moins dans jour ça pourtant et pour pas là moins jeûner dans jour ça. Ça veut dire c'est pas besoin but essentiel pour me jeûner. Moi je montre une femme 84 ans 82 ou 84 ans dans la Bible qui t'a jeûné quotidiennement, qui t'a jeûné et comme de garder ça, qui t'a jeûné tout le temps dans la ville. M'bral moutou l'église Antioche qui t'a jeûné pendant y a servi bon Dieu. En servant Dieu dans leur ministère, il jeûnait. Ça veut dire, pendant tout temps t'a servi Dieu, y a jeûné. M'bral moutou nan, apôtre Paul qui a dit, li fait des jeûnes multipliés, li rentet, li recommandable comme serviteur de Dieu des jeûnes. M'bral bon des textes bibliques qui moutou, jeûne, li doué, yon vie pour ou, même j'ai avec la prière. M'bral bon de texte qui montre yon chrétien qui a jeûné son chrétien qui a dimension bon Dieu donne son chrétien qui a rempli à fonction son chrétien bon Dieu qui a utilisé pour faire des de divers miracles pour faire des prodiges même. OK, on nous continue. OK, qu'on y a on continue avec le Nouveau Testament, le jeûne dans le Nouveau Testament. M'bral montre des hommes de Dieu pas A plus B. M'bral moutou des hommes de Dieu, noir sur blanc, dans le Nouveau Testament, c'est pas dans le Testament, le Nouveau Testament, qui t'a jeûné. Premièrement, l'apôtre Paul. Apôtre Paul, il était une pratique de jeûne même. Au moment qu'il était accepté, Jésus, il fait 3 jours, 3 nuits de jeûne. Dans Actes chapitre 9. Il fait qu'accepter Jésus, il fait 3 jours, 3 nuits de jeûne. Ok? Attendez, apôtre Paul, dans Actes chapitre 13, verset 3, apôtre Paul jeûnait ensemble avec d'autres leaders chrétiens, les mêmes personnellement. Apôtre Paul, les mêmes, les jeûnés. Dans Actes chapitre 9, les jeûnés dans Actes chapitre 13. Les jeûnés encore dans Actes chapitre 14. Ok? Les dit, les rendent recommandables comme serviteurs de Dieu dans de jeûne. C'est ça, les rendent comme dans 2 Corinthiens chapitre 6, verset 4-5. Les rendent recommandables comme serviteur de Dieu dans des jeûnes. Dans 2 Corinthiens chapitre 11 verset 27, apôtre Paul dit les multiplier jeûnes, c'est que les vivent dans des jeûnes multipliés. Ça veut dire les fait des jeûnes, les jeûner, jeûner. Ah, vous comprenez ça. Et regardez vie apôtre Paul. Regardez ministère apôtre Paul. Garde dimension mon Dieu prend avec apôtre Paul dans ministère. Pas gen yon grand monde dans toute l'histoire et de l'église qui jamais rêvé plus loin dans ministère que apôtre Paul. Et les leaders d'Éphèse dans Actes chapitre 14 verset 23, leaders éphésiens, les anciens de l'église d'Éphèse, yo te gon pratique de jeûne. Yo t'a jeûné ensemble avec apôtre Paul. Les leaders, les anciens de l'église d'Antioche, dans Actes chapitre 13, verset 2, ils ont jeûné pendant qu'ils servaient Dieu dans leur ministère, qu'ils jeûnaient. C'est ça, le texte l'a dit. Ils ont jeûné. Ils ont jeûné, comme de cas, régulièrement. N'abord, Jésus. Jésus t'est jeûné. Dans Luc chapitre 4, et 4 versets, 1er verset 2. Ok? Luc 4 verset 2. Luc 4 verset 1er. Luc 4 verset 1er. Et encore. Exact. Luc 4 verset 1er. Jésus t'est jeûné. Il t'est fait. Tout chrétien comme ça, c'est pas un Abdou là. Tout chrétien connaît Jésus t'est fait 40 jours, 40 nuits dans le désert à jeûner. Et c'est sa Bible a dit, noir sur blanc, c'est pour bagage nous inventer. Et c'est pour ce seul jeûne qu'il fait. L'elle t'a pral choisi 12 disciples, passer une nuit à jeûner. Il passer un jour, une nuit à jeûner. Dame, on bien comprendre ça. Ça, Jésus t'a jeûné. Mbo Anne, dans le top, Luc 2, verset 37. Anne Samabdou, là, son grand monde de 84 ans. Un grand monde. Une vieille femme de 84 ans.
qui était habité dans le temple depuis Marie fin mourir, il était dans le temple, l'a servi de Dieu jour et nuit dans la prière et dans le jeûne. La Bible a dit. Mes amis, on forme 84 ans et même tout jeune non. Pas un jeune 6 heures pour midi. Beaucoup j'aime ça dans la Bible, il y a un jeune qui commence à 6 heures pour le finir à midi, 6 heures du matin pour le finir à midi. Pas un 6 heures de temps de jeûne, ça pas existé dans la Bible. Moi ouais, une journée de jeûne, 6 heures du matin ou 6 heures après-midi. Comment un grand monde qui a fait toute une journée à jeûner tout le temps de 84 ans? Comment un grand monde qui a fait 2 jours, 3 jours à jeûner sans manger? Monsieur, un grand monde 84 ans à jeûner. Et pour un jeune garçon, pour qu'on même 40 ans, pour qu'on même 35 ans, et puis pour qu'on soit tellement habitué à manger, pour qu'on soit tellement aimé manger, pour pas qu'à jeûner. Pendant qu'on grand monde 84 ans à jeûner. Monsieur, quel âge Moïse te gagne? Quel âge Élie te gagne? Quel âge David te gagne? C'est maintenant que c'est grand monde te. Next on t'a jeûné sans manger. Et puis pour une jeune fille, un jeune garçon dit ou pas qu'à jeûner parce que et corps besoin manger. C'est menti. Si ou baï tête tout, c'est esprit glouton en dedans, il faut qu'on ou délivrer de esprit glouton ça, esprit remet manger ça pour ou apprendre jeûner, chercher mon Dieu dans le jeûne et dans la prière. C'est très important. Ça son premier phase moi ba ou et les disciples du Nouveau Testament t'a jeûné. On va parler de Pierre. En volant à la caille, ça l'a fait sous tête caille là. Je ne vais pas parler de Barnabas. Je ne vais pas parler de, comme Deka dit ça, de l'autre disciple. Ok? Qui était des pratiques de jeûne. Même bon des textes concrets des gens du Nouveau Testament qui t'a jeûné. À partir de Jésus-Christ. Qu'on y a regardé exactement qui ça veut dire être un leader chrétien. Pour son leader chrétien. Qui ça veut dire? Yon leader chrétien son monde que bon Dieu relé. Son homme choisi de Dieu. Yon leader chrétien. Bon Dieu fait appel avec les vocations. Bon Dieu relé pour le mener un ministère distinct dans l'église. Comment yon leader chrétien qui a fait mener un ministère dans l'église sans pas gon vie de jeûne? Sans leader ça pas jamais gon temps de jeûne. Ou pas jamais dans des leader ça a fait 2 jours 3 jours de jeûne. Ou pas jamais dans des leader ça annoncer jeûne pour l'église, a convoquer l'église dans des jeûnes. Ou pas jamais dans des leader ça a contrôler, a mesurer membre l'église pour l'assurer que tout monde a jeûné. Et ça fait adoration son adoration d'engrain sans onction sans Saint-Esprit sans dimension bon Dieu donne là-dedans yo pour qui ça parce que c'est pour l'église qui a jeûné diable confortable dans adoration yo ou après démon elle entend dans l'église confortable il chital pas de problème adoration fait il pas aucun problème pour qui ça parce que monde qui a adoré yo pas gon vie de jeûne leader yo dans l'église là ou pas jamais entendre côté mettre tête ensemble à jeûner à chercher bon Dieu dans le jeûne ou pas jamais dans des côtés pasteur en tête yo à jeûner ou yo pas ba exemple ça à membre l'église yo tout pas enseigner l'église à le jeûne pour qui ça parce que Satan éliminer ça dans tête yo Satan pas veut jeûner parce que automatiquement jeûner ou a gain dimension mon Dieu a gain révélation spirituelle ou pas ba bouillon réchauffer chaque dimanche ou vinn ba message là ou comprenez. Je ne pas boucher les péchés dans le temps, les peuples ont fini dans le temps. Je ne pas fermer ou comprendre ou pour ça. Cet esprit a dévoilé. Il y a des dons spirituels, des réels dons spirituels dans le ministère. Et puis, il y a des dimensions mondiales pour mettre des démons dehors dans l'église. Il y a plus de monde qui a délivré, plus de monde qui a fri spirituellement pour l'adoration et la recherche de Dieu. Et tant que leader chrétien, depuis qu'il a jeûné, depuis qu'il a passé une journée de jeûne, 24 heures pour pipiti, depuis qu'il a fait 2 jours de jeûne pour tête, pour famille, pour ministère, depuis qu'il a fait 3 jours de jeûne pour ministère, pour tête, pour famille, comment, quand on joue une pratique, pour venir camper devant le peuple pour parler sans pourtant ou pas de source ou pas de source spirituelle parce que ça va dans le public là c'est une racine ou le soutien
qui sort dans racine. Parce que en pour exemple un pied bois branche yo dehors. Parce que c'est dans branche qui gè fruit. C'est là tout moun wè. Mais racine personne pas wè racine nan, parce que racine nan batè. Et c'est racine nan bay branche yo. C'est racine nan bay tige là. C'est racine nan ki bay tout feuille. Si racine nan pas gagné rien la donne bon garanti même si moun wè feuille yo belle, yo pas gagné sérieux vrai. Parce que c'est dans racine pour mon vie de prière, c'est dans racine pour mon vie de jeûne, c'est dans racine pour mon vie de recherche de Dieu, c'est dans racine pour mon relation concrète avec mon Dieu, c'est dans racine pour mon toute dimension spirituelle et puis l'aimer venir en public pour un petit crasse qui dans racine moi bail public là. Mais voilà où son leader pas jeûner, n'a parlé sur exactement du jeûne, c'est ça fait nous rester exactement dans phase jeûne pour nous parler de leader qui pas jeûner. Ou ap men un ministère spirituel, un ministère qui gagne pile importance pour bon Dieu pendant qu'on pas aucune vraie relation avec bon Dieu, parce que toute vraie relation avec bon Dieu chita dans le jeûne. Et ça que fait ou Chanel, c'est ça que fait ou sans dimension bon Dieu, c'est ça que faut pas chasser des mots tout, c'est ça que fait Jo Boucher peuple a mourir dans miton ou pas ouais ça, c'est ça que fait peuple a vivre dans péché, il a venir adorer ensemble avoir ou pas ouais ça, c'est ça que fait cet esprit pas qu'à fuir le travail dans miton. Pour qui ça passe pas une dimension, pas une onction. Et ça là, pas gagner, pas une puissance spirituelle, pas une puissance bon Dieu dans l'église. OK. Tandis. Dans Luc chapitre 2 verset 37. Le servir Dieu même. Il veut dire vivre dans la prière et dans le jeûne. Luc chapitre 2 verset 37. Ça veut dire et pas leader seulement, non? N'importe chrétien dans l'église. Si je dis que je servis bon Dieu, je ne peux jamais gêner, je vais être mon gros menti. Je vais servir bon Dieu. Si je dis que je servis bon Dieu, je n'ai pas une vie de jeune, son menti, je vais être. Je ne peux jamais servir bon Dieu même. Parce que Luc chapitre 2, verset 37, il dit servir Dieu, c'est dans la prière et dans le jeûne. Beaucoup, on va parler des autres ressources spirituelles, par exemple les autres moyens spirituels de servir Dieu, par exemple l'adoration, la louange, le veillé spirituel et l'action de grâce, l'adoration et veille de nuit, etc. On va parler de l'autre ressource spirituelle, lamentation, supplication et prière à louer et agenouiller, etc. Non, on va parler de exactement prière et jeûne. Luc chapitre 2 verset 37. Il dit, le servir Dieu se fait dans la prière et dans le jeûne. Ça veut dire, sous son chrétien qui dit, ou la prière. Et ou pas jamais songer qui l'autre ou te jeûner. Et pour dire, observer, mon Dieu, dit tout, ou t'es dans un grand menti spirituel. Ou t'es trompé tout pendant longtemps, t'as baissé tout en pile menti. Parce qu'on pas qu'à servir, mon Dieu, dans la prière sans le jeûne. C'est dans la prière et le jeûne. Et jeûne, m'balbor différentes longueurs de jeûne, pas gon jeûne 6 pour 12, ça pas existé dans la Bible. Pas gon jeûne 6 pour 12 donc on commence à 6h pour finir à midi, ça pas existé dans la Bible. Même yon seul chrétien ka met à genou là, il fait 7 étapes la prière sous genou, il fait 6 étapes 4 étapes la prière sous genou. Ça veut dire sans c'est pas il pas aucune vision idée de jeûne dans tête. Au moins on ka fait 6 pour 6, 6h du matin pour 6h après-midi. Voilà. Ou bien 6h du soir pour 6h du matin. On ka fait 24 heures de jeûne 6h du matin pour 6h du matin encore. Pas comment son jeûne 6h après-midi pour 6h après-midi. Ou gantan passe toute journée à manger jeûne, c'est à jeûne pour commencer la vie. C'est un matin pour commencer jeûne. Jeûne pas commencer en après-midi. Commencer jeûne un matin. 6h du matin pour 6h du matin. 24 heures. C'est comme ça, soit fait 2 jours, soit fait 3 jours, soit fait 4, 5, 6 jours, jusqu'à 40 jours. Et on peut faire plus que ça. Pas d'exemple plus que ça dans la Bible, mais on peut faire plus que ça souvent. Est-ce que ça clair pour vous? Attendez, deuxième partie. Acte chapitre 13, verset 2 à 3. Il dit, pendant qu'ils servaient Dieu dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, comment on peut mener un ministère d'église sans jeûner? Allemand des disciples Antioche. Allemand des les anciens d'Antioche. Est-ce qu'on a fait ça? Allemand des les anciens de l'église d'Éphèse. Est-ce qu'on a fait ça? Allemand des les anciens de l'église côté apôtre Paul t'est passé yo
pour dans Acte chapitre 13 pour est-ce qu'on a fait ça? Non, ou pas qu'a fait ça. Ou pas qu'a mener un ministère sans pas gêner. Pasteur dans de ça? Diacre dans de ça? Évangéliste dans de ça? Prédicateur l'église qui a marché prêcher dans toute l'église. Est-ce que vous entendez ça? Ou a marché prêcher dans toute l'église sans pas ou pas qu'une vie de jeûne. Ou pas qu'on fait plus de mal que de bien. Ou fait peut-être plus mal que bien parce que pas qu'une source spirituelle. Quel que soit le niveau de prière, il pas jamais qu'à dépasser une vie de jeûne. Ou même qu'à marcher chanter tout côté, est-ce qu'on jeûne? Est-ce qu'on vit de jeûne? Jeune fille qui a servi bon Dieu, qui dit ou a servi bon Dieu, est-ce qu'on vit de jeûne? Jeune garçon qui a un ministère, qui a l'église qui a dirigé, qui a travaillé bon Dieu dans le monde, est-ce qu'on jeûne? Est-ce qu'on vit de jeûne à la manière de une femme 84 ans qui a jeûné dans la Bible? Et 2 Corinthiens chapitre 6, verset 4-5, apôtre Paul dit, je me rends recommandable comme serviteur de Dieu, .. dans des jeûnes. Il dit dans les veilles de nuit, oui. Il dit dans les veilles, mais il dit dans des jeûnes. Il dit, rendre recommandable. Ça veut dire, il y a un serviteur recommandable qui n'a pas pour rougir. Il y a un serviteur recommandable qui a fait travail, bon Dieu, à Jean, bon Dieu, mandé là. Il y a un serviteur recommandable qui est dans le sens de Dieu. Un serviteur recommandable, ça veut dire côté ou qu'a recommandé moun sa dans n'importe ministère. Il dit li rend tête li recommandable dans des jeunes. Bon avec ça, 2 Corinthiens chapitre 6 verset 4-5. Et ou même, est-ce qu'on rend tête ou recommandable? Et si on rend tête ou recommandable, qui joue rend tête ou recommandable dans relation à l'autre pasteur pour qu'a bon ministère. Dans relation à l'autre monde ou gen gros amour, gen pile zami pour qu'a metto responsable. Mon parent est recommandable dans de jeunes. Bible a dit sous besoin recommandable. Ou voulez un chrétien authentique, un leader authentique, un ministre d'église authentique, c'est dans le jeûne, dans la pratique de jeûner, dans la pratique du jeûne. Très important. Et dans 2 Corinthiens 11, verset 27, il dit leader li plus jeûné parce que membre l'église là. L'idée a plus gêné par ses membres l'église. 2 Corinthiens chapitre 11 verset 27. Si membre l'église a fait 6 pour 6 fait 24 heures de jeûne, 2 jours 3 jours ou même ou fait 14 jours ou même ou fait 15 jours ou même ou fait 21 jours et ou pas fait l'union fois non ou gêné pendant toute année. OK, pas qu'ton mois passé pour même 24 heures de jeûne ou pas fait. Pas que ton trimestre passé pour même yon 2 jours de jeûne ou pas fait comme leader d'église ou supposé jeûner. Ma bonne texte biblique très significatif là pour jeûner. OK. Konya, imaginons ou fin comprendre importance pour jeûner. Ou fin comprendre importance pour jeûner. Qui impacte jeûne nan gagné dans la vie chrétienne dans la vie chrétien dans ministère l'église là qui impact que mon ca vive de jeûne. Premièrement, on va regarder deux textes bibliques. Luc chapitre 4 verset 1 et Luc chapitre 4 verset 14. Dans Luc chapitre 4 verset 1, il dit Jésus revêtu du Saint-Esprit aller dans Judée l'algéné. Avant l'algéné, il était rempli de cet esprit. Dans Luc chapitre 4 verset 14, Jésus retourné de jeûne, il fin jeûné. Il vini à Jérusalem. Il dit Jésus revêtu de la puissance de cet esprit. Gardez deux textes à au point. Dans premier avant le jeûne, il était revêtu de cet esprit. L'elle fin jeûne non seulement de cet esprit, il revêtu de la puissance de cet esprit. Sou d'accord en pile chrétien gen cet esprit dans vie yo, faut d'accord tout, c'est pas tout chrétien qui gen la puissance de cet esprit. La puissance de cet esprit ou joigni dans le jeûne. Faut m'go vie de jeûne, m'a jeûné les ça, gen la puissance de cet esprit. Ça c'est impact jeûne. Impact jeûne nan gen puissance cet esprit en dedans. Deuxièmement, nous te garder verset 2 Corinthiens 6 verset 14.
ou recommandable comme serviteur de Dieu. Ou recommandable comme serviteur de Dieu. L'ou gêné ou rendre tête authentique comme leader, comme ministre de Dieu, comme homme de Dieu, comme servante de Dieu, ou rendre ou son chrétien authentique, ou son chrétien dynamique, ou son chrétien dimensionnel, ou son chrétien, comme de dit ça, et puissant. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant, ou son chrétien puissant, ou son chrétien, bon Dieu, qui a fait une flamme de feu. Premièrement, l'on a jeûné ou amené Dieu à intervenir. L'on a jeûné ou rendre bon Dieu intervenir facile, rapide. Nous, ça t'est arrivé pour Esdras, ça t'est arrivé pour Néhémie, ça t'est arrivé pour peuple Israël, ça t'est arrivé pour Akab comme on parle, comme un juif malfaiteur. OK? Comme des cas de ça ou forcer la main de Dieu. L'eau a gêné. Yon chrétien qui a gêné, yon l'église qui a gêné, force la main de Dieu. Baga ou te ka pas jouen nan vie chrétienne nou, ou jouen ni l'eau a gêné. Baga ou te ka difficile pour jouen, l'eau a gêné ou jouen ni facile. Ok? Gen bagay bon Dieu te gidou a pot kota baoul, mais le fait qu'on ou gon vie de jeune, bon Dieu baoul très facile. L'autre bagay, nan Matthieu 11, verset 17, li dit, cette sorte de démon ne sort. Ne sort que par la prière et par le jeûne. Gen des démons ou rencontre avec, gen différents groupes de démons. Gen des mots expédition, quand on fait expédition modèle chrétien, même si le pape jeûne, le pape vivre dans péché, il ca chassé. Gen des démons gon dimension au niveau spirituel ou gen on ca chassé. Mais gen des démons faut gon vie de jeûne pour chasser. Jésus dit gen des démons faut ab jeûner pour chasser. C'est pas là arriver devant des démons ou pas ca chasser ou jeûner. Qui niveau spirituel ça cap grave c'est ou déjà abjeûné ou gon vie de jeûne et puis l'arrivé devant démon ou ca chasser dans mon comprendre ça c'est Jésus même qui dit c'est pas ou apôtre c'est pour prophète c'est Jésus qui dit gen des démons fort son monde cap jeûner pour chasser ou met si bon Dieu merci tout parce que gen des démons pas jamais qui tout rencontre avec elle te ca fort honte dans public à ville l'évangile li pas qui tout rencontre à démon ça même qui pas jamais contre démon même dans tout ministère même et comme si pas démon pas existé dans l'église là pas grand monde dans l'église qui j'abandon qui possède. OK pas de dimension pour le faire manifester pas de dimension pour le faire réagir c'est ça qui fait pas réagir c'est comme ça pour comprendre c'est pas là ou pas là yo à l'aise yo confortable. OK l'autre bagage encore et là où son monde cap gêné cet esprit qu'a utilisé puissamment. Nous voyons Jésus dans Luc chapitre 4 verset 14, il est rempli de la puissance du Saint-Esprit pour ministère. OK? Cet esprit qu'a utilisé puissamment lorsqu'on monde qu'a gêné. Cet esprit joint nous pour utiliser avec onction. Et lorsqu'on monde qu'a gêné ou son prédicateur qu'a gêné ou son pasteur qu'a gêné ou son évangéliste qui a jeûné. Premier bagage qui existe, c'est son évangéliste qui a jeûné. Parole ou assaisonné de grâce et de sel. Parole ou gen onction qui a dégagé la donne. Parole ou gen puissance qui a dégagé la donne. Li plus facile pour le convaincre. Li plus facile pour le traverser que. Lorsqu'on monde qui a jeûné comme évangéliste. Lorsqu'on prédicateur qui a jeûné ou a prêché. Parole ou assaisonné de sel et de vie. L'op quand pour prêcher ou gen plus onction k'ap dégager gen plus puissance k'ap dégager moun joine plus bagay nan sa ap di a et deuxièmement ou gen plus révélation ou gen plus rema cet esprit plus fort comprendre l'évangile là plus fort comprendre moun di ou gen plus intelligence pour adapter pour comprendre l'évangile lorsqu'on moun k'ap gêné lorsqu'on moun k'ap gêné plus solide spirituellement un don plus solide ou plus qu'à supporter souffrance ou plus qu'à supporter douleur ou plus qu'à supporter persécution lorsque monde cap jeûné et lorsque monde cap le jeûne lui permet moi humilier la chair humilier l'âme moi ça dans psaume 35 verset 13 moi ça tout dans Esdras 8 verset 21 il dit ou l'homme jeûné ou humilier l'âme
ou humilier la chair. Pas oublier jeune nan li affaiblit la chair même, son réalité spirituelle. L'ob jeune l'esprit vient plus fort spirituellement, la chair vient plus faible. Sou ou même qui Chanel qui aime qui sent ou aime femme ou aime garçon fornication pas veut quito des pour gêner ou affaiblir la chair des possibilités pour ou venir gagner victoire sous péché ou gêner c'est très important grand plus expérience qui fait dans ça les réel ça nous dit là on l'autre phase encore ou gêner des désavantages tout gain des conséquences qui désavantagé désavantageuses, l'ob gêné. Parce que c'est gêné ou gêné, l'ob gêné, corps a pas joindre manger, digue n'a pas joindre de l'eau tout, corps a gêné ou a pas joindre une série de nutrition qu'il a besoin, c'est gêné ou gêné, digue des conséquences physiques. Faut attendre ça, faut d'accord ça. Faut comprendre, digue des conséquences physiques dans corps, qui n'est pas douce, qui n'est pas facile pour. Premièrement, dans Somme 109, verset 24b, apôtre David lui dit mon corps est épuisé de maigreur en jeûnant ou ka vinn meg ou ap jeûner ça ka possible ou ap jeûner c'est normal ou ap jeûner ou ka vinn meg est-ce que vous comprenez c'est pour baga ou c'est pas un baga ou forcé bible la comprendre ni ou bible la apôtre bon Dieu permettre David lui écrit ça ou ka meg ou ka vinn meg ou ap jeûner bon gen mon il fait goût mais ou ap jeûner ou ka vinn meg faut attendre ça. L'ob jeune ou perdre graisse. Et li bon pour corps, li bon pour santé ou tout. L'ob jeune ou perdre ventre. Moun qui fait sucre qui diabétique, jeûner bon pour yo. L'ob jeûner li permet sucre là et blood et sucre là diminuer dans sang. L'ob jeûner li permet ou gain plus ou plus en santé. L'ob jeûner ou kavin meg moun ki gro yo mon conseil nous jeûner pi souvent tout va jeûne médical non jeûne chrétien et pas grave de fin tout l'ob jeûner ou affaibli physiquement ou jeûner c'est normal pour sentir dans ventre vide pour sentir dans ventre chaud pour sentir gaz à traversant dans ventre l'ob jeûner c'est normal pour sentir plus faible. L'ob gêné c'est normal pour sentir pas qu'à marcher parce que plus faible. C'est normal ou sentir corps affaibli. L'ob gêné, c'est normal. C'est que accepter ça. Pas lever gêné parce qu'on ou senti ou grand goût, pas lever gêné parce qu'on senti ou vin trop faible. Pas lever gêné parce qu'on senti un don à bout, senti presque décomposé, pas lever gêné pour ça. C'est corps qui abord sensation ça. Mais pas gagner vrai. Nous sont emploi médical mon connaissance dans domaine médical vous mettre quoi ça m'abdoula là dans Somme 69 verset 10 gon l'autre conséquence de jeûne dans tout li dit jeûne li permet moun li attirer opprobre li attirer la honte. OK, par exemple automatiquement son moun kap jeûner ça ka permettre moun humilier ou ça ka permettre moun pas comprendre ou parce que yo pas comprendre jeûne. Protestant pas comprendre jeune, païen pas comprendre jeune. Quand on païen qui doit pas occuper avec jeune, protestant a pas ta cour parce que lui-même il pas jeûner, il pas comprendre l'importance du jeûne. Très important pour comprendre ça. Le jeûne, il gagne pile valeur spirituelle, il faut que chrétien apprenne jeûner. OK? Maintenant conséquence jeûne là, ça normal au cas attirer honte, mon la ca ou n'a pas comprendre. Et mon la ca ou a poser question. Et l'autre bagage encore, ou ap jeûné ou pas manger et ou pas doué dit ou pas manger. Ou pas doué dit moun la kayou ou pas manger ou bien pas manger ou bien ou ap jeûné. Faut une stratégie pour utiliser pour pas manger, pas jeter manger non, mais pour pas manger, pour jeûner. Et li attire la calomnie, le rejet. Somme 109, verset 24, verset 25, li attire les différences, l'incompréhension, surtout au milieu des protestants. Ça veut dire, pas étonné ou l'ob jeûné pour au lieu pour moun ta apprécier, c'est opposé ou pour avoir, c'est indifférence, c'est incompréhension, c'est honte ya for honte, c'est persécuté ya persécuté. Ok? On vive ça déjà, m'passe là-dedans, m'on connaît ou bien. Ok? M'passe classe ça. Mais ou même qui fait commencer qui fait commencer jeûner ou pour rencontrer ça n'a dit là
OK. Et un dans l'autre point après c'est catégorie de jeunes. Et il y a différentes catégories ou bien différents types de jeunes. Il y a différents types de jeunes. Premièrement, la Bible a trois groupes. Les bail absolu, les bail partiel, les bail intermittence. Il y a des gens qui disent complet, des gens qui disent général, des gens qui disent différents types de noms. Mais la Bible, là, dans la Bible, il y a trois. Dans toute la Bible, il y a trois. Il y a des gens qui disent à travers et Moïse, Élie, à travers David, à travers Jésus. Il y a un jeûne absolu. Jeûne absolu, lui veut dire être sans manger, sans boire de l'eau. Mais lui qui veut dire tout être sans manger seulement. OK? Ou bien doit être sans manger, boire de l'eau. Pas éliminer jeûne. Ça clair, boire de l'eau pas éliminer jeûne. Mais si vous voulez faire un jeûne complet, absolu, vous faites sans manger, sans boire de l'eau. Jeûne sans manger, sans boire de l'eau, il ne doit pas durer plus que 3 jours. Ça, c'est un conseil que je donne à ceux qui peuvent jeûner. Il y a des gens qui sont habitués à jeûner. Habitué jeûner déjà. Ils sont vétérans dans jeûner. Lui qui a passé plusieurs jours sans boire de l'eau, mon sa yo, yo kon ki jan ou fait. OK? Mais ou même qui pourquoi habitué avec jeûne qui fait pour commencer jeûner, pas commencer avec un long jeûne. L'eau fait qu'a commencer jeûner, pas commencer un long jeûne, ou tout commencer dans 7 jours. Non, ou tout commencer dans 40 jours, dans 21 jours. Non. Ou ka vin rayi jeûne, ou ka vin pa vle ou jeûne, ou ka pa jamais ka jeûner tout. Commencer avec un jour de jeûne. Ou bien demi-jour de jeûne. Demi-jour de jeûne, c'est 6 heures pour 6 heures. C'est 12 heures de temps. Pas jamais fait 6 heures de temps pour dire c'est jeûne ou jeûner. Ou commencer à 6 heures, finir à midi, ou pas jeûner, ou la prière. OK? Commencer à 6 heures du matin pour finir à 6 heures après-midi. Commencer comme ça. Ou faire ça pendant 1 mois, pendant 2 mois, pendant 3 mois. Ou habitué avec elle pendant 4 mois. Ou habitué avec elle et pour faire 24 heures. Ou faire 6 heures du matin pour 6 heures du matin encore. Ou habitué à 24 heures, habitué à 24 heures, fait souvent, et pour qu'elle commence dans 2 jours. Jusqu'à ce qu'on prenne 3 jours, prenne 4 jours, prenne 5 jours. C'est très important. Jeûne absolu, c'est sans manger. 1 jour de jeûne, ou qu'elle fait sans manger, sans boire. 2 jours, qu'elle fait sans manger, sans boire. 3 jours, qu'elle fait sans manger, sans boire. Mais commencez, faites ces habitudes avec 6 heures pour 6 heures, avec 12 heures de temps avant. Avant, commencez dans sans manger, sans boire, dans le deuxième jour. Mon café des longues jeûnes sans manger, 21 jours sans manger, mon compte plusieurs critiques fait, ou café 40 jours sans manger, ou café 15 jours sans manger, ou café plusieurs temps sans manger, ou pas mourir pour ça. Mais pas jamais dépasser plus que 69 jours sans manger. OK? Et 49 jours, pas dépasser 49 jours sans manger sans avis médical. Si pour faire longue jeûne dépasser 40 jours, faut gagner avis médical. C'est très important. Jeûne partiel, moi Daniel te fait jeûne partiel. Et pas Daniel, moi et David te fait jeûne partiel. OK? Il te fait 6 pour 6 tout, c'est dans David moi 6 pour 6 ça. Et Daniel te fait jeûne partiel. Jeûne partiel là c'est qui ça? Ça veut dire c'est pour un jeûne qui fait sans manger, sans boire. Son jeûne côté moi pas manger fait dans chaudière. Nous contexte, on pas manger les mets délicats, on pas manger du riz à sauce pois, maïmoula à sauce pois, légumes à sauce pois, on pas manger maïmoula légumes, on pas manger on essaye de gros manger, on pas manger on essaye de gros manger dans chaudière. Manger bagage léger. Par exemple, on pas manger le chaque jour ou bien manger le une fois par jour. On ka manger pain à de l'eau seulement. Ça son jeûne partiel. On ka manger comme te ka dit ça, bouillon soupe une fois par jour. Bon verre de l'eau tout une fois par jour. Sous plein ventre ou non jeûne partiel ou abjeûner. Jeûne partiel là son petit bagage ou fait une fois par jour ou pas qu'à faire deux fois ou fait une fois par jour. Jeûne partiel là c'est que on pas manger mais chaque après-midi par exemple vers après 6 heures
vers 8h 9h moi prend yon ti bagay moi ka prend yon pain à un de l'eau à un verre d'eau ou là moi ka bon verre lait tout moi ka bon verre jus tout ça pas déranger jeune mais sou fait remontant ça est pas genou ab genou dès qu'a fait qu'a jeune qu'a fait remontant qui fait ou faire remontant pour lui ou on qu'a manger dire à sauce pour même sou manger ou pas dans jeune comprendre ou pas dans jeune ça veut dire jeune là faut le bon sensation pour pas manger mais jeune partiel là ou faire les jambes dou là moi même ba oul parce que j'ai plein expérience pendant près de 26 ans dans l'évangile là m'apprendre on paquet de façon et 26 ans à jeûner pas 26 ans dans l'évangile là les me reconnaître jeune OK des jeûne par intermittence jeûne par intermittence sans ces côtés ou faire une journée de jeûne et pour que doit passer une nuit non pas jeûner OK ou mais pas ou pas jamais faire la nuit et pour passer journée à faire tout à fait non ou faire la journée ou jeûner la journée et pour que doit pas jeûner la nuit ou faire 6 heures Bible a dit David te jeûner la journée mais il te couche à terre la nuit pendant le tab jeûner elle font 24 heures bamdou si ou a jeûner ou pas ca dormir dans cabane moun k'ap jeûner pas coucher sous cabane ou pas ca dormir sous sofa c'est à terre pour dormir ou vont bagarre à terre pour dormir ou pas mettre mat la à terre non sous mettre mat la à terre pas dormir ou ap dormir sous gen sac ou mettre la terre mon ca mettre on laine à terre tout vous comprenez pour coucher pour ou jeûner et long et jeune 6 pour 6 pas dormi jeune 24 heures ka gen kabicha la dan jeune 2 jours ka gen prend un nap ti dormi tout petit même pas ka jeûner pour me passer toute une nuit à dormir sans pas jamais lever pour me la prier non c'est pas jeûner pas jeûner même pas ka mettre tête moi dans condition pour me bien dormir les m'a jeûner les m'a jeûner faut me mettre tête moi dans condition pour me pas bien dormir pour me ka toujours réveiller pour me jeûner pour me la prier surtout la nuit et jeûne li bon l'a font 24 heures pour faire veille de nuit ou tout fait une journée de jeûne et une veille de nuit de prière et de jeûne ça très important mais long jeûne 5 jours 14 jours et 15 jours 21 jours 40 jours ou ka gen des sommeil ou ka gen des nuits de sommeil OK parce que jeûne ou jeûne ou gen pendant plusieurs jours ou ka gen des nuits de half nuit mbaka half night mbaka di et toute nuit la net ou pa ka jeûner ou pa ka jeûner pour faire toute nuit à dormir mon ka gon 4 5 6 7 temps ou bon 4 temps de sommeil par nuit après 3 jours ou bien après 5 jours OK pour arriver dans reste jour à faire jeûne par intermittence là c'est que ou gen doit sauter jour tout ou gen doit sauter jour par exemple ou gen doit jeûner font 24 jours d'ia ou sauter demain ou font 24 après demain ou fait peut-être une semaine ou fait peut-être deux semaines comme ça ou fait jeûne par intermittence mais meilleur par intermittence que me connaît c'est ou jeûner au cours de la journée et ou pas jeûner dans la nuit c'est trois groupes de jeûne ça me connaît absolu c'est pas manger pas boire mais si me boire ça pas veut dire pas absolu tout et me commencer boire après 2 jours après 3 jours ça très important qui comportement que me doit gagner dans jeûne me saute bay quelques exemples dans comportement tout à l'heure dans catégorie de jeûne t'a bay yo mais qui comportement que me doit gagner dans jeûne premièrement Jésus dit les m'a jeûner pas quitter personne connaît à moins que ce jeûne en groupe à moins que c'est l'église là qui a jeûné les l'église là jeûner c'est convoquer l'église dans jeûne l'église là lui-même seulement doit connait à jeûner l'autre monde d'ailleurs pas de connaître l'église abjéné. Il faut monde pas marcher l'église là, il pas supposé connaître l'église l'abjéné. C'est l'église là, c'est membre l'église, convoquer membre l'église là dans le jeûne. C'est pas jeune côté, on jeune païen vini, malfaiteur vini, non. Et puis nous pour nous ca ramasser offrande. Ça Chanel, il démoniaque, il diabolique. Mais l'abjéné l'église a convoqué l'église dans le jeûne dans une journée de jeûne dans deux jours de jeûne c'est l'église là qui connaît abjéné Jésus dit l'abjéné ou même jeûne personnel pas doit partager à personne ou ca peut-être madame qui doit au courant abjéné et pas tout le temps Marie ou qui doit au courant abjéné parce que l'apôtre Paul dit restez ensemble ça c'est l'apôtre Paul qui dit ça et c'est ça qui fait nous accepter le tout. Il dit Marie à madame yo supposé de commun accord
pour yo décider pour yo dire youn la deux pour elle passer son temps de jeûne. OK, ça qui madame à monsieur youn ka dit l'autre y a jeûné. Mais ou pas ka dit personne, ou pas ka dit ménage ou a jeûné. Pas gè ménage dans Bible tout, ou pas ka dit fiancé ou a jeûné. Pasteur l'église ou supposé qu'on a jeûné. Parce que c'est lui même qui a mené l'homme, c'est lui même qui a mené vie spirituelle, lui supposé qu'on a jeûné. Si son homme de jeûne, si son nèg d'agrié qui pas aucune vie de jeûne, qui pas gagné la fait dans l'évangile vrai, c'est celle leader, c'est well leader, il pas aucune pratique de vie spirituelle mené devant mon Dieu. OK. Mais autre, malgré ça, depuis en bal, Bible a dit on dit si pas jamais plus grand passer mettre lui ou obligé se mettre en bal. Ou pas jamais qu'à dépasser, ou pas jamais qu'à prendre dimension quel que soit effort fait tout. À moins que quitter l'église ça. Mais autrement, parce que l'église supposée qu'on est jeûné. Et les supposé qu'on est qui quantité de jours de jeûne ou fait longueur jeûne. Parce que les supposé mesurer est-ce que longueur jeûne ça, est-ce que ou habitué avec des courts jours de jeûne avant. Mais règlement général là, personne moun pas de qu'on a jeûné même moun la caille. Personne moun pa de kon ou ap jeûné même zanmi ou. Personne moun pa de kon ou ap jeûné même moun l'église ensemble avant. Parce que jeûne nan li personnel. Jeûne nan li secret. Deuxièmement, jeûne nan l'ap jeûné faut pas habiller en façon pour moun gantan wè se jeûne ou ap jeûné. Faut même si ou ta vinn meg, faut pas faut figou frais. Faut être bien peint. Pas quitter tête ou graine son contexte jeûne ou ap jeûné. Pas quitter tout sans pain sous contexte et genou abjeuné. Pas quitter figou fené sous contexte et genou abjeuné. Laver figou bien laver, baigner, mettre rad sous normalement. Et puis, moun pa koné, moun ap koné, c'est normal. C'est vie normal. Mais pourtant, ou dans le jeûne. Parce que jeûne dans le secret. C'est très important. Jésus même dit ça, Matthieu 6, verset 17, Matthieu 6, verset 18. À Lio. Premièrement, jeûne, est-ce que jeûne, moi supposé reton côté, pour me passer tout temps de jeûne. Non. Jésus dit pour ne montrer pas aux gens que tu jeûnes, ça veut dire ça ca possible pour les m'a jeûner pour me dans la rue. Si me dans la rue, ça veut dire me pas la caille, ça veut dire me pas en côté. OK? Des longs jeûnes par exemple, si me sont ouvrier de travail, c'est pas dans congé m'a jeûner, c'est pas congé me prend pour me jeûner. C'est pas jour off me prend pour me jeûner. C'est dans jour travail moi yo, c'est normal m'a travail mal jeûner. M'a jeûner mal travail. Vous comprenez? M'a jeûné, m'a travaillé. Jeûne n'a pas empêché au travail. Mais faut me connaître de consacrer jeûne. Consacrer jeûne, faut me gagner des temps de prière, faut me gagner des temps de recherche de Dieu, faut me gagner des temps pour me libérer, faut me gagner des temps pour me chercher mon Dieu, faut me gagner des temps. Faut me gagner des temps pour me chercher mon Dieu, faut me gagner des temps pour me libérer, faut me gagner des temps pour chercher la présence de Dieu dans le jeûne. Même qu'à le travail. À le travail là, pas veut dire me lever jeûne non. M'ka fait manger si c'est vendre m'a vendre manger si c'est ouvrier m'ka si c'est ouvrier et centenier m'ka travaille comme nurse m'a travaille m'a bail médicament m'a fait toute bagarre mais m'a gêné des moments break moi je prends pour mal la prière l'aime gont titan libre m'prend pour me libib c'est très important ça al travail pas empêcher au jeûner mettre ça dans tête OK. Et même supposé consacrer jeûne. Je suppose qu'il y a des temps pour me sous genou. Il y a des temps pour m'aider même en l'air. Il y a des temps pour m'appeler Bible. Il y a des temps pour m'appeler la prière. Jeûne, il faut que je pile ou équête de prière. Il faut que je pile temps de prière dans jeûne. Il faut que je pile temps de prière dans jeûne. Deuxièmement, il faut que je pile temps de prière dans jeûne. Deuxièmement, fok moi consacrer fòm par exemple nan jeûne nan ki sa m ka fè nan jeûne premièrement li bib en pile la prière en pile par des requêtes écri requête pou konn ki requête wap fè et pou konn ki type de requête ki type de jeûne wap fè ki objectif ou nan jeûne nan met a genou en pile nan jeûne nan camper à deux mois en pile nan jeûne nan chanter plusieurs cantiques cet esprit baou dans jeûne là. Est-ce que vous comprenez? Sauf si m'a travail, sauf si m'gon activité m'a fait qui c'est activité personnelle, m'ka fait.
mais autrement faut me consacrer jeune dans différents moments côté pour me libérer, pour me la prière, pour me chercher bon Dieu. Et Bible a dit me ca perdre jeune dans si me raconter monde m'a gêné. Me ca perdre jeune dans si m'a fait violer, nous sommes monde qui gêné. Me ca perdre jeune dans si pendant m'a gêné, nous sommes monde qui péché tout. Ou bay menti pendant m'a gêné, ou comme de ca dit ça, ou fait truc pendant m'a gêné, ou fait ruse pendant m'a gêné, ou bien ou parler moun mal pendant m'a gêné, ou perdre jeune, quel que soit longueur jeune, ou tout perdre. De pour faire moun konn m'a gêné tout, ou tout perdre jeune. De pour vivre dans péché, ou bon faire péché pendant m'a gêné, ou tout perdre jeune. C'est la Bible qui dit. OK, nous déjà expliqué longueur jeune. Moi ouais, jeune yon jour 24 heures. 2 Samuel chapitre 12 verset 16, 3 jours Esther 4 verset 16, 21 jours Daniel 10 verset 2 3, 40 jours Luc 4 verset 2, m'après 3 jours, m'après 2, m'après 5 jours, m'après 15 jours, m'après 14 jours tout dans Daniel, c'est que m'après plusieurs jours de jeûne dans Daniel. Ma, ça c'est longueur jeûne. Et jeûne dans cas personnel, moi-même, jeûne dans cas en groupe, côté un groupe moun qui mettait ensemble pour jeûner. Pas oublier nous dit ça, les ou jeûner nuit là, c'est à terre pour coucher. Pas coucher sous cabane, pas coucher sous sofa, pas coucher sous matelas. Le ou jeûner c'est très important. Ça a une pile valeur. Qu'est-ce que ça veut dire qu'on y a là pas jeûner? Qu'est-ce que ça veut dire le monde pas jeûner? Pas jeûner veut dire pas jeûner c'est désobéir délibérément à la parole de Dieu. Le pape jeûner c'est désobéir ou désobéir parole bon Dieu. Parole bon Dieu dit me jeûner et puis moi-même désobéir pas jeûner. C'est que pendant tout temps ou fait dans l'évangile là, ou pas jamais jeûner, ou t'as désobéi à la parole de Dieu. L'église a tenu doit faire mouvement jeûner pour aller jeûner dans l'église ou à l'église ou aller jeûner, manger ou pas, moi pas comme ça que jeûne. Mais nous fait qu'expliquer ça que jeûne là. Apprendre qu'on y a pour jeûner. Ou t'as désobéi à la parole de Dieu. Ou pas t'as gêné. Ne pas gêner, c'est choisir de primer la chair sur l'esprit. Le pas gêner, ou son monde qui chanel, ou pa, même si pas qu'on sous chanel, même si dit tête ou spirituel, de pour pas mon cap gêner chanel. Ça va dire de pour gêner tout spirituel, non? Parce que c'est une marche spirituelle liée, une dimension, ou commencer d'un point à un point. Mais le pas gêner, pas dans dimension ça même. Parce que j'ai déjà niveau spirituel là, les dimensionnels. Et pas gêner, c'est décider pour mener une vie chanel. Nous sommes tous là. Pas gêner, c'est orgueil spirituel. C'est orgueil lié, le pape gêner. Ou quoi, ou qu'a fait bagala par la chair. Ou quoi, ou dans dimension mondiale. Ou quoi, ou dans niveau mondial. Ou quoi, ou dans dimension spirituelle. Pendant que c'est menti ou abattre. Parce que seul moyen pour gagner dimension spirituelle, c'est le pape gêner. Ok? Pas gêner, c'est limiter la puissance du Saint-Esprit dans la vie. Pas gêner, c'est dans l'incapacité de chasser des démons. Pas gêner, mettez tête ou non niveau spirituel très bas ou pas qu'à mener moun. Pas gêner, c'est pas jeune onction, pas jeune dimension, pas jeune révélation pour bay peuple là. Pas gêner, c'est bay peuple là bouillot échauffé, avait dit même message là, même parole, même sous changer moyo, mon pas gon ken révélation, ou pas gon ken nouveau dimension spirituelle, rien qu'au cas bay peuple là. Pas gêner, c'est ou pas en mesure pour contrôler niveau spirituel l'église là. Pas gêner, c'est weakness spirituelle. Les lâcher fort, l'esprit faible. Et seul moyen qui peut permettre lâcher fort, c'est le pape gêner. Est-ce qu'on est important jeune, non? Est-ce qu'à partir de formation, ça, à partir de vidéo, ça, on comprend l'importance qu'on doit gêner? Est-ce qu'à partir de vidéo, ça, on peut décider pour mener une vie de jeûne? Est-ce qu'on peut commencer à gêner? Passez vidéo, passez la première fois, passez la deuxième fois. Prenez cahier, écrit note, écrit verset, écrit sujet, écrit point. Et puis apprenez pour jeûner. Commencez vie de jeûne aujourd'hui. Et vous ne pouvez jamais regretter où tu commencé ou tu jeûné dans la vie. Chrétien, homme de Dieu, disciple authentique, disciple dynamique, c'est un homme, c'est une femme qui a jeûné dans le Seigneur. Que bon Dieu bénisse, que bon Dieu encourage,
que bon Dieu ouvre cœur pour comprendre l'évangile plus bien. Partagez vidéo ça pas oublier, partagez vidéo ça avec Zamio, partagez la pasteur l'église, partagez la responsable de l'église, partagez la toute famille, tout le monde qu'on connaît qui dans l'évangile là pour apprendre jeûner les ça dimension bon Dieu a plus élargi dans l'église en général et puis ça t'a pas gagne position, ça t'a pas gagne place, a gagne plus monde qui ont onction, qui gagne dimension, qui gagne puissance pour mettre démon dehors, a gagne plus monde, plus révélation, adoration de a plus puissant, a plus terrible dans bon Dieu. Bon Dieu béni vous. Vous êtes à la paix de Dieu.